Une spirale. Alicia, qu'est-ce que tu as pensé de ce travail autour de la fresque ? Je pense qu'il est bien, mais il reste encore un peu de bulles. Moi, je viens juste d'arriver dans cette école et qu'on fasse ce projet-là, ça m'a vraiment plu. C'était important pour toi de parler ? Oui. De taguer autour des droits des enfants ? Oui. Ouais. Quel est le droit auquel tu tiens particulièrement, toi ? La liberté et le soin familier. Si on n'a pas de famille aussi, ça va être un peu difficile pour aller déjà à l'école et faire ce qu'on veut. Enzo, oui. Qu'est-ce qu'elle représente cette fresque ? Peut-être s'il y a des gens qui viennent dans cette école, ça va leur faire rappeler tous les droits que les enfants ont et que les enfants auront plus de droits après ça, mais ça va rester dans l'école un petit peu et c'est bien quoi. À quel droit tu tiens toi particulièrement ? Le droit à l'éducation surtout parce que tous les enfants ont le droit à ça parce que sinon. Après, si tous les enfants n'ont pas le droit à l'éducation dans la vie, après ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. Tu vas écrire la paix. Donc là et plus loin paix. D'accord, PAIX. Aïline. Hein. Oui. Ça t'a plu ce projet là autour de la fresque sur les droits de l'enfant ? Oui, oui, beaucoup. C'est la première fois que je graffe. Et pourquoi ça t'a plu ? Parce que on n'a pas le droit normalement d'écrire sur les murs et là on a le droit d'écrire sur les murs. C'est bien. J'aime bien ce que Oz a fait. On peut dire que c'est un peu le monde, sauf que on voit pas les pays, il y a que des maisons. Solal, quand tu regardes la fresque là, qu'est-ce que tu te dis ? Je trouve que c'est très joli et puis ça montre bien que les enfants c'est pas des êtres minoritaires. C'est important, tu veux dire, de respecter les droits des enfants. Oui, c'est important. Quel est le droit auquel tu tiens particulièrement, toi ? Il y a un petit peu tous les droits parce que si les enfants n'avaient pas de droits, ce serait pas super pour eux. Donc c'est important d'avoir ce droit à la liberté, à l'éducation, aux soins, d'avoir une famille. Oui. Voilà. Que l'égalité soit respectée entre les enfants et les adultes. Oui. Tout ça pour toi, c'est important ? Oui, c'est très important. Il faut reconnaître que c'est quand même un village. Voilà. Et si on fait des ronds après autour, il ne faut pas trop non plus en faire pour pas que la peinture soit trop étouffée. Et ensuite, moi, vous verrez le mois prochain, en juin, je ferai un autre portrait à côté et je ferai quelques petits ronds pour que tout ça soit bien rejoint et que ça fasse une unité. Mais plus on en met et plus on brouille la lecture. Voilà, donc pas trop non plus. Donc je sais que vous avez envie de vous amuser, de peindre, mais après, si on en fait trop, ça ressemble plus à rien du tout.